Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Ça fait quelques temps que j'ai pas publié de vidéo et il est temps un peu de vous expliquer ce qui se passe. Comme je l'ai déjà expliqué dans certaines de mes vidéos, j'ai quitté mon ancien boulot chez 100 degrés fin décembre et je cherchais du boulot. J'ai trouvé un nouveau boulot et donc depuis le 1er février, je suis le directeur technique chez Chail, qui est une filiale de Samsung et qui est une agence de com. Peut-être que je parlerai un peu plus longuement de mon nouveau boulot et de ce que j'y fais, mais c'est vachement bien, l'équipe est super sympa, le boulot est super intéressant. C'est un petit peu plus loin que mon ancien boulot, ce qui fait que j'ai au moins 2h30 de trajet, voire 3h parfois, si le RER est un peu capricieux. Ça, c'est une des premières nouvelles. La deuxième nouvelle, et qui explique en partie mon silence sur YouTube de ces dernières semaines, c'est qu'il y a à peu près 2 semaines, je me suis fait mal au genou, je me suis fait une entorse du genou. C'est toujours un peu douloureux, ça va quand même beaucoup mieux. Je vais là, dans les prochains jours, aller faire un IRM pour voir si je me suis pas cassé un vrai truc. Mais ça m'a pas mal handicapé ces derniers jours. La dernière chose aussi, c'est que depuis le 5 janvier à peu près, j'ai changé un peu mon alimentation parce que je suis super gros. Voilà, je frôlais quasiment les 150 kilos, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros. Et donc, j'ai décidé de changer mon alimentation. J'ai arrêté le coca, j'ai arrêté le sucre, ce qui est super dur, et j'en parlerai très certainement dans une vidéo. Et surtout, dans les prochains jours, je vais aller voir un nutritionniste pour essayer de régler un peu tout ça, et de voir comment est-ce que je peux manger mieux. Alors, j'ai perdu à peu près 10 kilos, ce qui est normal, entre guillemets, vu mon poids. Mon but, c'est d'essayer d'être un peu plus, pas spécialement sérieux, mais d'être un peu plus pragmatique par rapport à mon alimentation et de faire en sorte de plus être un gros patapouf. Autre élément, la chaîne a dépassé les 6000 abonnés et a dépassé les 500 000 vues, donc 500 000 de vues. Donc merci à tous les barbus qui continuent à me regarder. Tous ces éléments ont fait que sur les dernières semaines, j'étais pas mal occupé, un changement de rythme, nouveau boulot, mal au genou, changement de bouffe, plein de choses qui ont fait que j'ai pas du tout eu le temps de m'occuper des épisodes. Et une espèce de réflexion globale sur qu'est-ce qu'est aujourd'hui la Croix du Barbu et qu'est-ce que j'aimerais que ce soit. Pour être complètement transparent, le fait de balancer une vidéo par semaine, c'est beaucoup de travail. Quand j'étais dans mon ancien boulot, j'avais plus de temps libre, j'étais en 4/5e. Là, je suis plus en 4/5e pour l'instant, je suis en temps plein, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Et en produire une par semaine, c'est juste devenu impossible. Donc dans les prochains jours, la première décision que j'ai prise, et je viens d'envoyer un mail il y a quelques minutes, c'est que je vais supprimer le Tipeee. Puisqu'en fait, psychologiquement, alors même s'il y en a plein qui m'ont dit « Non, mais c'est pas grave », psychologiquement, j'avais une espèce de contrat moral avec les barbukeepers qui était, ils m'envoyaient du pognon, en échange, ils avaient la vidéo en exclu, et ils avaient au moins une vidéo par semaine. Ce rythme-là est plus tenable, donc j'ai décidé d'arrêter le Tipeee. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va se passer avec les épisodes de la Grotte du Barbu, hein? Alors, si j'essaye de faire un petit peu un point sur les derniers épisodes que j'ai balancés, pour être complètement honnête, c'est des épisodes où je suis pas très content, en fait. Alors, c'est pas vraiment je suis pas content du résultat, parce que vous le savez, je fail tout le temps et c'est pas un problème. Mais je suis pas très content du concept de la vidéo en lui-même, de la réalisation, c'est un peu bâclé, et ça me fait chier, pour être clair. Et c'est ce fait de devoir publier une vidéo par semaine qui me forçait, entre guillemets, à bâcler mes épisodes. Donc, j'ai décidé de rebooter, entre guillemets, la Grotte du Barbu. Donc, il y aura toujours des épisodes, il y en aura moins, il y en aura de façon plus irrégulière, en fonction de mes envies. Je continuerai à balancer de temps en temps des mini-épisodes ou des vlogs à droite à gauche, si j'ai le temps. Mais je vais consacrer plus de temps à moi, faire en sorte de me concentrer sur ma santé, mon genou et mon gros bide, et un peu moins sur les vidéos. Le but aussi, il est de vous proposer du contenu
de meilleure qualité. Alors, je vais pas me racheter une caméra ou mettre de la lumière de ouf ou des trucs comme ça. C'est plus se concentrer sur des projets qui me font vraiment envie, me faire plaisir, et je sais que si moi ça me fait plaisir, vous en profiterez et le contenu sera de meilleure qualité. Le but aussi, il est d'expérimenter avec, je sais pas, des nouveaux formats, des nouveaux trucs, des trucs bizarroïdes, prendre un tout petit peu plus de temps pour essayer de faire des vidéos de meilleure qualité et qui, moi, me motiveront un tout petit peu plus. Mon objectif, il est de balancer 2 vidéos par mois minimum. Je me connais un peu et je sais que j'en balancerai plus, voilà. Mais aucune contrainte sur le format ou sur le timing des différentes mises en ligne. Donc voilà, une petite vidéo juste pour dire que non, la grotte du barbu ne s'arrête pas. Au contraire, je prends justement un petit peu de temps pour poser un peu les choses, réfléchir, voir ce que j'ai vraiment envie de faire, essayer de vous balancer le contenu avec une qualité encore meilleure. Des trucs encore plus bizarres, des fails encore plus failés, bien sûr comme d'habitude, hein. Balancez les insultes dans les commentaires, et puis à très bientôt.